Bonjour à tous. For a lot of people, it's not just today that feels like Groundhog Day. It's the whole past year. Not only are days in quarantine repeating themselves, but we're also wondering just how long this winter is going to last. If you're tired and overwhelmed, that's understandable. The past 12 months have been really hard. Maybe your kids are doing school from the kitchen table, or your parents are in a senior's home, or your business has had to close temporarily, perhaps repeatedly. No one expects this pandemic to end overnight, but you're probably looking for signs that things will get just a little bit easier. Well, this weekend, we passed an important milestone. It's now been 3 weeks with COVID-19 cases consistently falling across the country. This is because of the choices people have made to keep each other safe. It's because across the country, people are stepping up to do the right thing. Your actions are making a difference, but we can't let our guard down now. Doubling down is how we'll see even fewer people get sick and how we'll save lives. But remember, this is for now. This is not forever. We're very much on track to get everyone who wants a vaccine vaccinated by September. Déjà, plus de 1,1 million de doses de vaccins ont été livrées aux provinces et aux territoires et près de 87% de ces doses ont été administrées. Les personnes les plus vulnérables reçoivent ces vaccins qui pourraient leur sauver la vie, notamment des travailleurs de première ligne et des résidents de centres de soins de longue durée. Et parce qu'on est en voie de recevoir toutes nos commandes de Pfizer et de Moderna prévues d'ici la fin mars, des millions de Canadiens auront reçu leur dose d'ici là et des millions d'autres seront vaccinés au printemps. We won't rest until every Canadian who wants a vaccine has received one. Now, this is no small task, and we knew there would be some hurdles along the way with unpredictability and increased demand for production. That's why we created a smart, proactive plan on vaccines and vaccine rollout. It's why we secured as many options as possible with hundreds of millions of doses from companies around the world. And it's why we invested in vaccine development and manufacturing here at home. And on that front, I have good news to share. Two companies, Precision Nanosystems and Novavax, are now on track to manufacture vaccines right here in Canada. This is a major step forward to get vaccines made in Canada for Canadians. To begin with, we've signed a memorandum of understanding with Novavax to produce their COVID-19 vaccines at the new NRC Royal Mount facility in Montreal. Pending Health Canada approval, tens of millions of Novavax COVID-19 doses will be made right here at home. En septembre, j'ai visité le site des nouvelles installations du Centre de recherche en thérapeutique sur l'avenue Royal Mount à Montréal, où seront fabriquées des dizaines de millions de doses de Novavax. Grâce à notre financement, ils ont accéléré la construction et le tout devrait être terminé d'ici la fin de l'été. Une fois les installations certifiées, ils pourront fabriquer autour de 2 millions de doses de vaccins de toutes sortes par mois. We need as much domestic capacity for vaccine production as possible. That's why we've already invested $46 million in the vaccine development facility at the University of Saskatchewan's Vaccine and Infectious Disease Organization. The good news we've just heard is that Vido Intervac now projects they will be able to produce up to 40 million doses annually. We are investing in Canada's biomanufacturing sector for today and for the long term. En plus du travail à Montréal et à Saskatoon, grâce à un investissement fédéral de 25 millions de dollars, la société Precision Nanosystems de Vancouver construira également une usine de fabrication capable de fabriquer jusqu'à 240 millions de doses de vaccins par année. Depuis 5 ans, notre gouvernement investit dans la science et le savoir-faire canadien. Le fait de soutenir la recherche et la fabrication au Canada est avantageux sur tous les plans. On protège les gens aujourd'hui et on appuie les bons emplois pour de nombreuses années
à venir. Vaccines work. They are safe and effective. When it's my turn, I'll be ready to roll up my sleeve and get my doses. These vaccines save lives, so I hope you'll join me. As part of our rollout plan, we're investing $64 million to make sure you know when and where to get vaccinated, the many safety measures in place, and why it's such a good idea to get your shot. No one who wants a vaccine will be left behind. No community will miss out. Just yesterday, the Canadian Rangers and members of the Canadian Armed Forces began working alongside Orange in Ontario. They're currently supporting vaccinations in the first 8 of 32 priority communities of the Anishinaabe-Oski Nation. In many cases, these rangers are helping out in their own communities to ensure that everyone has the support they need. No matter where you are, if you want a vaccine, we'll make sure you get one. Notre priorité absolue, c'est de vous protéger, vous et votre famille. Pendant qu'on travaille pour faire en sorte que les vaccins soient livrés et administrés, on investit également dans les traitements et le dépistage. On a accordé 14 millions de dollars dans l'élaboration d'un traitement contre la COVID-19 par la compagnie Edessa Biotech à Markham, en Ontario. Ce traitement pourrait sauver la vie des personnes les plus gravement malades de la COVID-19. En plus d'autres traitements prometteurs élaborés au Canada, notamment ceux d'Arch Biopartners, ce sera un nouvel outil dont on pourra se servir. Pour ce qui est du dépistage, on a déjà envoyé plus de 17 millions de tests rapides aux provinces et aux territoires. Toutefois, jusqu'à maintenant, seulement un peu plus de 3 millions d'entre eux ont été utilisés. Je continue donc d'encourager les provinces d'en faire usage. Ces tests doivent être utilisés, que ce soit dans les écoles, les centres de soins de longue durée ou les milieux de travail. Ils sont essentiels pour garder le nombre de cas aussi bas que possible. Ils vont être extrêmement importants dans les semaines et les mois à venir pour garder nos chiffres bas jusqu'à l'arrivée des vaccinations de masse. Pour veiller à ce que les tests de dépistage se rendent jusqu'aux gens qui en ont besoin, on collabore maintenant directement avec le secteur privé. Conjointement avec les provinces et territoires, notre gouvernement travaille avec le CDL Rapid Screening Consortium, qui réunit différentes entreprises pour déployer les tests dans les milieux de travail. Le but du consortium est d'assurer la sécurité des milieux de travail, et c'est aussi notre priorité. Grâce aux tests de dépistage rapide, les gens qui ne peuvent pas travailler à distance ont une possibilité de dépistage et une protection supplémentaire. Comme l'ont dit bien des spécialistes, la distribution à grande échelle de tests de dépistage rapide peut vraiment aider à contenir le nombre de cas. On fait ce qu'il faut pour protéger les gens au travail et maîtriser le nombre de cas pour tous les autres. On vaccines, on treatments, on testing. Our top priority is making sure you and your family get through this crisis. But we can't do this alone. So when you wear a mask, when you keep your distance, when you stay at home, when you avoid gatherings, you're helping to save lives. So keep it up. We have to stay strong a little longer, but I know we're all up to the challenge. After all, the story of Canada is of people who never gave up, who never stop striving for a better tomorrow. That's something I was reminded of yesterday when I was at a virtual event with the first Black NHLer, Willie O'Ree, and some of the many young people he has inspired. From coast to coast to coast, Black Canadians have shaped our country. The reality is, though, that their stories are far too often ones of hard-won victories through adversity. The difficult truth is this: anti-Black racism, systemic discrimination and unconscious bias still exist in Canada. And that has to change. As we rebuild from this pandemic, this is our time to act. This is our time to end injustices and inequalities and create a better, stronger country for everyone. L'année dernière, on a pris des mesures concrètes pour donner plus de moyens d'agir aux communautés noires à travers le pays.
On a notamment lancé le tout premier programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada et on a poursuivi la mise en œuvre de notre stratégie de lutte contre le racisme. On sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. On doit, entre autres, éliminer les inégalités systémiques dans notre système de justice. Alors qu'on entame le mois de l'histoire des Noirs, on doit tous être conscients que c'est non seulement une occasion pour nous de réfléchir aux réalisations des Canadiens noirs, mais aussi de nous joindre à leurs efforts en vue de bâtir un pays meilleur et plus fort. Before I wrap it up for today, I want to give everyone a quick update on our work with the new American administration. Yesterday, I had a very productive call with Vice President Harris. We discussed shared priorities on everything from fighting this pandemic and creating good jobs to addressing climate change and strengthening our trading relationship. Canadians and Americans have long stood together, not just as neighbors and allies, but as friends. I'm looking forward to working with both Vice President Harris and President Biden as we tackle these challenges and opportunities. Merci beaucoup.